Je viens d'obtenir le permis catégorie B. Pour conduire une motocyclette légère sans autre catégorie, je devrais attendre au moins 3 ans, oui, A, non, B. Suivre une formation d'au moins 7 heures, oui, C, non, D. L'utilisation d'un détecteur, c'est-à-dire d'un appareil qui détecte le faisceau des radars, a toujours été interdite. Depuis janvier 2012, l'usage des avertisseurs de radar est également interdit. Les détenteurs de GPS dotés d'alerte de la position des radars doivent désactiver cette fonction. Le fait d'utiliser un détecteur, un avertisseur ou un GPS dont la localisation des radars est activée constitue une contravention de 5e classe, entraînant notamment un retrait de 6 points sur le permis. Le risque le plus important se situe dans la zone A, B, C. Aucun usager n'apparaît dans le rétroviseur droit. Dans le rétroviseur intérieur, une voiture me suit de près, mais sans danger, car la circulation est ralentie. Le véhicule en panne serre le bord droit de sa voie, permettant l'ouverture d'une portière en sécurité. Le risque le plus important se situe donc en zone A, où un motocycliste remonte la file à allure soutenue, s'intercalant entre le fourgon blanc et mon véhicule. Je roule à 110 km/h. Je parcours environ 30 mètres par seconde, A, 60 mètres par seconde, B. Pour connaître de façon approximative la distance parcourue en une seconde, je multiplie par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. La réponse étant 33 mètres, je choisis la valeur la plus proche, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. La commande électrique des rétroviseurs extérieurs ne fonctionne plus. Je démarre, A, ou je sors pour les régler manuellement, B. Les rétroviseurs extérieurs sont indispensables pour bien voir derrière le véhicule en réduisant les angles morts. Si la commande électrique des rétroviseurs ne fonctionne plus, je les règle donc manuellement. Pendant un voyage, des enfants agités risquent de me stresser? Oui, A. Non, B. Influence ma conduite? Oui, C. Non. D. La tâche de conduite est une activité qui demande au conducteur d'être à ce qu'il fait. Tout élément perturbateur dans l'habitacle risque d'engendrer du stress et d'influencer négativement ma conduite. En voyageant avec des enfants, je prévois des occupations et je fais des pauses régulières. Au minimum toutes les 2 heures. Je reste derrière ce véhicule. A. Je le dépasse. B. Ce véhicule roule très lentement pour effectuer des travaux. Mais je ne peux pas le dépasser pour le moment, car une voiture arrive en face. Je reste donc derrière lui. Je suis en infraction. Oui, A. Non, B. La ligne à ma gauche délimite une voie réservée. Dans cette situation, hors agglomération, il s'agit d'une voie pour véhicules lents, réservée aux usagers qui ne roulent pas à plus de 60 km/h à cet endroit. Circulant à 70 km/h, je suis en infraction. Je devrais emprunter la voie normale de circulation,
située directement à ma gauche. Les jeunes conducteurs de cyclomoteurs sont susceptibles de commettre plus souvent des infractions. Oui, A. Non, B. Ont une longue expérience de la route. Oui, C. Non, D. La conduite d'un cyclomoteur est accessible dès l'âge de 14 ans avec le permis AM. L'adolescence étant une période de découverte de soi, bien des expériences sont vécues dans l'excès, dans le défi. L'incitation à transgresser les règles et commettre des infractions est grande dans un groupe d'adolescents. On retrouve donc ces comportements lorsqu'ils circulent en cyclomoteur. Comme c'est le premier véhicule motorisé qu'ils conduisent, ils ne peuvent pas avoir une longue expérience de la route. J'allume mes feux de détresse dès maintenant. A. J'attends d'être plus près de la file ralentie. B. Lorsque vous êtes contraint soudainement de vous arrêter ou de rouler à une allure fortement réduite, vous devez allumer vos feux de détresse afin de prévenir les usagers qui vous suivent. C'est le cas ici, puisque la circulation ralentit brutalement. Si vous attendez d'être plus près de la file, vous risquez de surprendre l'usager qui vous suit. Au contraire, c'est dès maintenant qu'il faut faire fonctionner vos feux de détresse. Plus vous le faites tôt, plus tôt les usagers qui arrivent derrière réagiront, ce qui pourra éviter une collision en chaîne. Vous devrez maintenir vos feux de détresse allumés jusqu'à ce que vous ne soyez plus le dernier véhicule de la file. L'efficacité de la ceinture est optimale, A. Limitée, B. En cas de choc, les blessures seront aggravées. Oui, C. Non, D. L'efficacité de la ceinture de sécurité est optimale lorsqu'elle est correctement ajustée, près du corps et à plat. Vrillée, elle absorbe moins bien le choc lors de la tension et risque d'aggraver les blessures en étant coupante. Tous les véhicules font le même bruit de roulement. Oui, A. Non, B. Les pneus neufs mis en vente sont accompagnés d'une étiquette environnementale qui indique l'intensité du bruit de roulement externe. Trois traits signifient que ce dernier dépasse la nouvelle homologation. Deux traits signifient qu'il la respecte. Un seul trait signifie qu'il est plus silencieux d'au moins 3 décibels par rapport à cette nouvelle réglementation. Tous les véhicules neufs ne font donc pas le même bruit de roulement. En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours les numéros de la plaque orange. Oui, A. Non, B. La couleur est le symbole des losanges. Oui, C. Non, D. Avant de sortir de mon véhicule, je regarde uniquement mon rétroviseur extérieur. Oui, A. Non, B. Le rétroviseur extérieur d'une voiture moderne réduit les angles morts, mais ne les supprime pas complètement. Avant de sortir de mon véhicule,
Pour m'assurer qu'aucun usager ne se trouve dans mon angle mort, je complète le contrôle dans le rétroviseur extérieur par un regard direct du côté de la vitre latérale. Je roule à la même vitesse que les autres véhicules. Je reste où je suis. A. Je me rabats sur la voie de droite. B. Sous ce tunnel, pour suivre un autre véhicule, je devrais laisser une distance de sécurité d'au moins 100 mètres, A, au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes, B. Les voyants indiquent l'allumage des feux. De croisement, A. De route, B. De brouillard avant, C. De brouillard arrière, D. Les voyants des feux avant sont orientés vers la gauche, ceux des feux arrière vers la droite. Le voyant des feux de position n'a pas d'orientation. Ces voyants indiquent l'allumage des feux de croisement, des feux de brouillard avant et des feux de brouillard arrière. Si des feux de route étaient allumés, ils seraient représentés par ce voyant bleu. En cas d'accident corporel, je suis obligé de m'arrêter. Si j'arrive le premier sur les lieux, A. Si des personnes s'occupent des victimes, B. Si les secours sont sur place, C. Si j'arrive le premier sur les lieux d'un accident, je dois impérativement m'arrêter, si possible, à un endroit ne présentant pas de risque pour ma sécurité ni celle des autres usagers. Si des personnes s'occupent des victimes, je ralentis, tout en regardant si elles m'invitent à m'arrêter ou à continuer. Je ne m'arrête donc pas dans tous les cas, mais seulement si nécessaire. Si les secours sont déjà sur place, je ralentis, puis je continue ma route, car ma présence serait inutile, voire gênante. Je roule au ralenti. A. Je m'arrête. B. Un autocar à l'arrêt peut cacher des usagers. Ici, les pieds d'un piéton apparaissent devant le véhicule. Je dois lui céder le passage car il est engagé sur la chaussée et il n'y a pas de passage piéton à moins de 50 mètres. Cette conductrice est en sécurité. Oui. A. Non. B. Un chat, assis ou couché sur les genoux d'un conducteur, peut soudainement bouger et gêner ce dernier. De plus, en cas de freinage brutal ou de choc, il ne bénéficierait d'aucune protection et pourrait même constituer un projectile dangereux. Il ne faut pas oublier qu'à 50 km/h, le poids d'une personne, d'un objet ou d'un animal est déjà multiplié par 10. Pour la sécurité des occupants du véhicule et de l'animal, il faut installer ce dernier dans une cage appropriée, fixée sur un élément du véhicule. Cette conductrice est bien installée. Oui. A. Non. B.
Cette conductrice a correctement attaché sa ceinture de sécurité. Celle-ci est bien positionnée et n'est pas vrillée. Sa tête étant au niveau de la partie haute de l'appui-tête, ce dernier est donc bien réglé. Elle est à bonne distance du volant, avec les bras semi-fléchis. Cette conductrice est donc bien installée. Une carte routière est utile uniquement si je n'ai pas d'aide à la navigation. Oui, A, non, B. Le GPS, appelé aussi aide à la navigation, est un accessoire très utile qui permet de gagner beaucoup de temps. Mais comme tout outil, il peut connaître des défaillances, d'où l'utilité d'avoir toujours avec soi une carte routière. Celle-ci permettra aussi de mieux voir l'intégralité d'un itinéraire sur un plan plus large. La principale défaillance du conducteur lors d'un accident de la circulation est la perception tardive d'un indice, A. Une analyse erronée de la situation, B. Une décision inadaptée, C. Une erreur dans la manipulation d'une commande, D. Constamment, le conducteur perçoit des indices, les analyse et prend des décisions avant d'agir. Dans les accidents de la circulation, la défaillance du conducteur la plus souvent en cause est une analyse erronée de la situation. La perception défaillante ou tardive d'un indice est la deuxième cause, puis vient ensuite une décision inadaptée. Les erreurs dans la manipulation des commandes ne sont relevées que dans 6% des accidents. Tout cela prouve bien qu'on conduit avant tout avec sa tête. Je remplace mes balais d'essuie-glace. Deux fois par an, A. Tous les deux ans, B. À l'usure, les balais d'essuie-glace deviennent moins efficaces et laissent des traces sur les vitres, gênant la visibilité. Il faut donc les remplacer une à deux fois par an, notamment avant l'automne ou après l'hiver. Je ralentis. A. Je maintiens mon allure. B. Le panneau indique l'entrée d'une agglomération. La vitesse y est donc limitée à 50 km/h. Mais cette limitation ne dispense pas d'adapter mon allure aux circonstances. Sur neige, la chaussée est très glissante et, en cas de situation d'urgence, la distance de freinage est considérablement allongée. Je dois ralentir. Le risque le plus important se situe dans la zone numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. L'usager de gauche, bien visible et qui débouche d'un parking, doit me céder le passage. La voiture que j'aperçois dans le rétroviseur est très loin. Le piéton va apparemment s'engager, mais, comme je le vois, je peux anticiper mon arrêt. En revanche, la camionnette peut totalement masquer un piéton plus proche qui traverserait sur le passage. C'est donc en zone 3 que se situe le risque le plus important. Pour être prêt à m'arrêter sur place, je roule au pas, le pied placé au-dessus de la pédale de frein. J'habite à 3 km de mon lieu de travail. Pour préserver l'environnement, j'utilise de préférence ma voiture, A, mon vélo, B. Un vélo n'ayant pas de moteur, il ne pollue pas. Si je n'habite qu'à 3 km de mon lieu de travail, utiliser mon vélo à la place de ma voiture permet de préserver l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique.
Sur une année, mes frais de déplacement seront 10 fois moins élevés si j'utilise mon vélo plutôt que ma voiture. La présence d'une boîte d'ampoule de rechange dans le véhicule est obligatoire, A. conseillé, B. inutile, C. La présence d'une boîte d'ampoule de rechange dans le véhicule n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Elle permet de changer une ampoule défectueuse. En cas de contrôle, je dois être en mesure de la changer immédiatement, sous peine d'amende et parfois d'immobilisation du véhicule. Je circule en feu de position seul, A. En feu de croisement, B. En feu de route, C. Circulant hors agglomération, je n'utilise pas les seuls feux de position, bien que la chaussée soit bien éclairée. Comme l'éclairage continu permet de voir distinctement à une distance suffisante, je n'utilise pas non plus les feux de route. Je circule donc en feu de croisement. Cette personne se plaint d'une douleur au dos. Je la tourne sur le côté. Oui, A. Non, B. Je l'assois. Oui, C. Non, D. Une lésion à la colonne vertébrale peut entraîner une paralysie des membres inférieurs ou des quatre membres. Il est dangereux de bouger un blessé, d'autant plus s'il a mal au dos. Je lui conseille de ne surtout pas bouger en attendant les secours. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, A. Non, B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, C. Non, D. Ici, les traits de la ligne de rive délimitent la bande d'arrêt d'urgence. Ils permettent aussi d'évaluer la distance de sécurité. Celle-ci doit correspondre à la distance parcourue en 2 secondes au minimum. À 130 km/h, je dois voir au moins 2 lignes entre mon véhicule et celui qui me précède. Je suis donc à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Je reste en feu de croisement, A. Je passe en feu de route, B. Je circule en agglomération, mais l'éclairage public est insuffisant pour me permettre de voir distinctement à distance suffisante. Dans ces conditions, les feux de route me permettront de voir mieux et plus loin. Comme je ne croise ni ne suis aucun usager, je passe en feu de route. Je circule sur une autoroute. Oui, A. Non, B. La sortie annoncée débouche sur une route communale. Oui, C. Non, D. Si je circulais sur une autoroute, l'accotement serait goudronné. De plus, cette ligne serait remplacée par celle qui délimite une bande d'arrêt d'urgence. Je suis sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Le cartouche blanc sur la partie supérieure de ce panneau indique que la sortie annoncée débouche sur la route communale C2. Pour aller à Rouen, j'aborde une section d'autoroute à péage. Oui, A. Non, B.
Sur les panneaux de direction, le vert et le blanc sont utilisés pour les routes, le bleu pour les autoroutes. Ces deux encarts informent les usagers qui circulent dans la voie de droite qu'ils abordent une section d'autoroute à péage, aussi bien s'ils vont à Chartres qu'à Orléans. Placé où je suis, pour aller à Rouen, je pourrais emprunter en partie une autoroute, mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, je circule sur une route et aucune signalisation n'annonce de péage pour aller à Rouen. Je m'engage. A. Je m'arrête. B. La voiture devant moi est immobilisée avec les feux de détresse à l'entrée d'un virage, ce qui est un endroit dangereux. Je dois m'arrêter pour laisser passer le véhicule qui arrive en face, car c'est moi qui rencontre l'obstacle. Pour bénéficier d'une meilleure visibilité au moment de repartir, je m'arrête dès maintenant. Avant de redémarrer, je klaxonnerai pour prévenir d'éventuels usagers en face. Je ralentis et je passe. A. Je m'arrête. B. Un piéton, masqué par la voiture stationnée, traverse sur le passage matérialisé, apparemment imité par deux autres piétons. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. À la sortie de ce tunnel, je percevrai moins bien certains indices. A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. C. À la sortie de ce tunnel, ma vision sera affectée par la forte luminosité. L'éblouissement peut faire disparaître presque totalement certains indices, comme le marquage au sol ou un véhicule. C'est pourquoi je ralentis avant la sortie. La conduite après consommation de drogue peut entraîner un emprisonnement de 5 ans, A, une amende de 4 500 €, B, une annulation du permis, C, une peine de travail d'intérêt général, D. La conduite après consommation de stupéfiants constitue un délit, pouvant donner lieu à un emprisonnement de 2 ans et non de 5 ans. Tout conducteur ou accompagnateur coupable de cette infraction risque également une amende de 4 500 €, une annulation pure et simple du permis de conduire et une peine de travail d'intérêt général non rémunérée. Je sors d'une agglomération. Oui. A. Non. B. Je pourrais klaxonner. Oui. C. Non. D. Je sors de l'agglomération de Champagnole et j'entre dans le lieu-dit sur les Moutous. L'interdiction d'utiliser l'avertisseur sonore ne s'applique pas dans les lieux-dits. Je pourrais donc klaxonner si nécessaire. Je m'engage. A. Je m'arrête. B. La voiture devant moi est immobilisée avec les feux de détresse à l'entrée d'un virage, ce qui est un endroit dangereux. Je dois m'arrêter pour laisser passer le véhicule qui arrive en face, car c'est moi qui rencontre l'obstacle. Pour bénéficier d'une meilleure visibilité au moment de repartir, je m'arrête dès maintenant. Avant de redémarrer, je klaxonnerai pour prévenir d'éventuels usagers en face. Avec une acuité visuelle de 10 sur 10, il est possible de lire ces panneaux dès qu'ils se situent à une distance de 50 mètres, A, 100 mètres, B, 200 mètres, C.
Plus je roule vite, plus je dois anticiper. Pour cette raison, la taille des panneaux dépend de la vitesse maximale autorisée. Conçus pour être lus à une distance de 6 secondes, ils sont donc plus grands sur autoroute que sur route. Ils doivent être lus suffisamment tôt pour anticiper la sortie. À 130 km/h, avec une acuité visuelle de 10 sur 10, je dois pouvoir les lire à 200 mètres.